Five, four, three, two, one. Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows on Discovery. Watch that, I don't see any movement here. I'll come with you. Mike, in the meantime, you have a go to pull the NTA out. Okay. And attach it to ESP3. And then you're going to try. Cosmos. Cosmos. You chow. Cosmos. 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 Osmos. Brahmand. Világegyetem. Cosmos. Cosmos. Evran. Maelman Kaikkeus. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 en région parisienne et partout ailleurs sur internet. L'émission c'est Cosmos et ce mois-ci dans Cosmos, on retrouve Myriam du collectif contre les abus policiers de Bordeaux et Ramata du collectif Vivolé qui vont nous parler de la manifestation du 23 mars. Peut-être Myriam pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui t'es, d'où tu viens et parler de ton collectif, le collectif CLAP? Bonjour tout le monde, moi je m'appelle donc Myriam, je suis à Paris exceptionnellement en exclusivité mondiale, représenter le CLAP de Bordeaux, donc le collectif contre les abus policiers qui s'est constitué à Bordeaux au mois de juin 2009 suite à mon tabassage par la police lors d'un rassemblement le 19 mars de la même année. Donc depuis à peu près 3 ans et demi maintenant que ce collectif est constitué, partant de mon cas très particulier, nous avons très vite élargi d'abord à la dénonciation de l'État policier et puis finalement très vite on a élargi aussi à la dénonciation de la société policière. Donc on fait circuler énormément d'informations sur notre blog, sur tout ce qui concerne évidemment les violences et la répression policière, que ce soit tant au niveau des militants qu'au niveau de ce que j'appelle moi les civils de cette guerre qui ne dit pas son nom, comme le frère de Ramata dont on parlera sans doute tout à l'heure. Mais on s'est aussi intéressé à tout ce qui était caméras de vidéosurveillance, biométrie, fichage, enfin bon, tout ce qui fait que cette société devient une prison à ciel ouvert en quelque sorte. Donc pour la journée du 15 au 23 mars, on est forcément mobilisés. Ça fait déjà 2 ans maintenant qu'on organise des actions durant cette période, suite notamment au forum anti-répression qui s'était tenu l'an dernier et l'année précédente à Poitiers. Ces forums regroupaient essentiellement des collectifs anti-répression, purement anti-répression, c'est-à-dire vraiment très militants, et il n'y avait pas de famille qui était représentée à ce moment-là. Donc cette année, c'est un petit peu particulier puisqu'il n'y a pas eu de forum à Poitiers, donc pas de rencontre entre les collectifs anti-répression. Par contre, les familles, et notamment à Paris, mais pas seulement à Paris, se mobilisent parce que, effectivement, dans cette guerre qui ne dit pas son nom, les seuls morts pour l'instant que nous avons à compter sont des civils, ce qui n'empêche pas effectivement que les militants sont réprimés, blessés, charcutés, tout ce que vous voulez, c'est, tout ça marche ensemble. Mais c'est assez intéressant de voir comment les familles essayent de s'organiser aussi pour parler de ces violences qui sont finalement assez tues et surtout qui ne sont jamais condamnées. Avec Myriam, il y a Ramata. Ramata, on t'écoute. Bonsoir, donc Ramata. Bah, écoutez, Ramata, ça fait 5 ans et demi aujourd'hui que effectivement je suis active sur cette question des violences policières. Parce que voilà, depuis que mon frère Lamine, âgé de 25 ans, a été étouffé dans un fourgon de police par 8 policiers du 20e arrondissement. Et donc, voilà, évidemment, la famille avait porté plainte à l'époque et la plainte avec constitution de partie civile contre X, malheureusement, et pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Voilà. Et donc, cette plainte a ouvert une instruction. Cette instruction est en cours depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Elle n'est toujours pas finie. Voilà, donc ça fait donc 5 ans et demi que le dossier est en instruction, que les expertises médico-légales sont toutes rentrées dans le dossier depuis fin 2007. Des expertises qui mettent à mal la version officielle qui est celle des policiers et qui dit donc que mon frère serait mort tout seul en leur présence et qu'ils n'y sont pour rien. Donc cette version-là ne tient plus la route parce que les experts médico-légaux disent clairement que Lamine a été étouffé. Il s'agit d'une asphyxie mécanique. Donc ça veut dire que l'appareil respiratoire a été bloqué par un élément extérieur.
Et donc cet élément extérieur, c'était le poids des policiers qui étaient agenouillés sur lui, alors que ses bras, étaient, ses mains, voilà, ses poignets étaient menottés et que ses chevilles étaient sanglées par une ceinture de contention en cuir. Et donc pendant 30 minutes, 300 kilos sur le dos. Et donc voilà, il a vomi, il a respiré son vomi, on a retrouvé son vomi dans tout l'appareil respiratoire. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Visiblement, malgré tous ces éléments dans le dossier, le juge hésite à mettre en examen les policiers qui ont été entendus en fait sous le statut de témoin assisté. Voilà, que puis-je ajouter à cela, si ce n'est que on attend toujours une décision de justice, quoi. Et pendant ce temps-là, évidemment, la famille, l'ensemble de la famille est maintenue dans une souffrance continue en permanence. Voilà. Depuis, ça va faire 3 ans que le collectif Vivolé, donc c'est un collectif de familles victimes de ces crimes policiers. Ça fait 3 ans donc que ce collectif existe et ce collectif a vocation à réunir justement le maximum de familles à travers tout le territoire national. Il a vocation également à assister les familles nouvellement touchées, à les prendre en charge, à les orienter, à les aider pour engager une procédure en justice. Chose que l'État devrait faire, mais malheureusement, lorsqu'on est victime de violences policières, il se trouve que là, il y a une démission totale de l'État et que donc, il n'y a pas de cellule psychologique, il n'y a aucune prise en charge, il n'y a rien, on est abandonné et on se retrouve évidemment, c'est la guerre du pot de terre contre le pot de fer, quoi. Et donc, sachant que nous sommes passés par Dieu sait combien de déboires, on ne savait pas où aller, on ne savait pas à qui s'adresser, enfin voilà, on est passé par pas mal d'étapes et donc on veut éviter à ces familles là de passer par par où nous sommes passés et qu'elles arrivent directement au but et donc les soulager un petit peu. Le collectif Vivolé a mis en place une pétition. Cette pétition est en ligne depuis quelques mois maintenant. Elle s'adresse directement au ministre de la Justice et elle demande en fait cette pétition qu'il y ait une commission autonome et indépendante qui soit mise en place pour juger les crimes policiers. Pourquoi on demande cette commission? Parce que on s'est aperçu au vu de l'historique sur 40 ans que les magistrats ne condamnent jamais les policiers il y a un problème quoi. La justice ne fonctionne pas quand il y a crime policier. Cette commission, qu'ajouter, si ce n'est, j'invite tout le monde finalement à aller signer cette pétition, quoi. C'est hyper important parce que ces policiers qui ont déjà tué des gens qui étaient seuls, qui n'étaient pas armés et qui, ne constituaient aucun danger en fait pour personne et qui n'avaient aucune possibilité de fuite. Des gens qui ont les 4 membres attachés, je ne vois pas ce qu'elles peuvent faire d'autre que respirer. Il se trouve que pour mon frère, ils l'ont empêché de respirer. Il se trouve que pour un autre cas, Mahamadou Marega, qui a été tasé 16 fois de suite, et les 16 fois, c'était en contact direct. Donc cet homme mort, et aujourd'hui, le juge prononce un non-lieu. Un non-lieu. Et au cours de l'année 2012, il y a eu 7 non-lieux. 7 non-lieux alors que les victimes en question n'étaient pas armées, qu'elles ne menaçaient la vie de personne. Et donc, il n'y a aucune justification à ces non-lieux, quoi. Et nous considérons que justement, le fait de délivrer ces non-lieux, ce sont des permis de tuer qu'ils donnent aux policiers parce que l'impunité, ils sont assurés de ne jamais subir de punition, quoi. Moi, je voulais savoir, hélas, les cas que tu viens de nous citer, il y en a plein d'autres. Et j'ai l'impression, alors, il y a une espèce de dynamique de collectifs qui se réunissent tous ensemble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que finalement, vous trouvez un terrain d'entente pour une action plus grande? Vous arrivez à vous coordonner? Est-ce que des fois, ce n'est pas un peu trop compliqué? Alors, c'est un peu compliqué géographiquement, parce qu'effectivement, les victimes sont dispersées à travers tout le territoire, et donc il y a des familles qui sont assez isolées. Et l'objectif, justement, de ce collectif, c'est aussi de briser l'isolement, comme je le disais tout à l'heure, de porter assistance à ces familles, de les intégrer dans un espèce de réseau national, réseau qui va leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin pour médiatiser, pour... engager la procédure en justice. Et c'est aussi pour ça qu'on organise chaque année une marche vérité et justice, une marche qui commémore les victimes, mais qui aussi sert à mobiliser du monde sur la question, parce que encore une fois, je le répète, c'est une question de vie ou de mort, quoi. Et le fait que ces policiers qui ont déjà tué soient encore en service
ça veut dire qu'ils constituent un danger pour les autres, enfin, l'ensemble de la population, tout simplement, parce que demain, ils peuvent recommencer ce qu'ils ont déjà fait. Donc voilà, cette année, cette marche aura lieu le 23 mars. À partir de 13h, le rendez-vous est donné sur la place de l'Opéra et on se dirigera donc à Stalingrad. Et là, bah, il y a pas mal de familles qui seront présentes, pas mal de collectifs Vérité et Justice qui seront également présents. Et on appelle évidemment toute la population à nous rejoindre pour que enfin nos voix soient entendues par le gouvernement. Tu peux peut-être nous dire comment ça se passe sur Bordeaux ? Bah, sur Bordeaux, concrètement, on n'a pas affaire à beaucoup de gens qui sont morts, heureusement. La répression militante, elle existe comme partout, mais comme les militants bordelais ne sont pas les plus actifs de France, je ne dirais pas qu'il y a des arrestations non plus tous les week-ends. Il n'empêche que quand on pense, comme le CLAP, que nous vivons dans une société policière, les abus policiers sont récurrents. Ça va du cycliste à l'automobiliste, au piéton, etc., etc. Pour nous, ça commence déjà là, les abus policiers. Il y a derrière tout un système de racket, en plus, qui se met en place par les infractions et tout ça, qui sont multipliées. Parce qu'effectivement, plus on multiplie la possibilité d'avoir des infractions, plus les gens sont susceptibles d'être réprimés. Donc, c'est essentiellement ça dont on a affaire sur Bordeaux. Après, pour répondre à ta question sur l'organisation, sur comment les gens arrivent à se grouper, tout ça, c'est effectivement extrêmement compliqué pour les familles qui sont géographiquement isolées. Moi, en tant que militante, entre guillemets, mon envie, c'est quand même de faire le lien entre ces collectifs de familles et les collectifs qui sont purement anti-répression, parce que pour moi... Tant qu'on n'arrivera pas à faire le lien, on n'arrivera à rien. Parce que par ce biais-là de violences qui sont subies et par les militants et par les gens... voilà, les gens qui meurent, ce n'est pas non plus des Jean-Pierre, des Paul, des Pierre, des Jacques. Hein, c'est des Mamadou, c'est des Lamine, c'est des Rachid, etc. etc. Donc ça soulève d'autres questions dont pourtant les militants parlent régulièrement. Et quand on fait des choses pour ces familles-là, pardon, excusez-moi, les militants sont pas forcément, ne répondent pas forcément présents. Je crois parce qu'il y a une grande incompréhension en fait de ce que peuvent ressentir les familles et de ce que ressentent les militants. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des gens qui sont très politisés, les militants, avec un discours théorique très très fort et souvent juste. Hein, c'est pas du tout un reproche et on a aussi besoin de théorie pour pouvoir avancer. Mais de l'autre côté, on a des familles qui, elles, par contre, se prennent une chose violente auquel elles n'étaient pas du tout prêtes, hein, parce que personne n'est jamais prêt à ça, et par rapport à laquelle elles sont très peu armées politiquement. Donc souvent, il y a une exigence de la part des militants d'une politisation radicale, immédiate des familles, qu'elles ne peuvent pas avoir, tout simplement, parce que la première chose et le premier réflexe de ces familles, c'est de demander justice, et elles ont raison de le faire, et alors que la plupart des militants... Je pense déjà que la justice, ça sert à rien. Voyez, donc on est déjà sur un premier point de décalage. Or, on ne peut pas arriver vers des familles de victimes et leur imposer des discours politiques radicaux et leur dire non, ça va pas, il faut pas se considérer comme victime. Et moi, j'ai entendu ça sur des forums, il y en a marre de la victimisation. C'est très violent hein, d'entendre des choses comme ça parce qu'on ne peut pas choisir à la place des gens les mots qu'ils utilisent. Si la personne se considère comme victime, c'est que voilà, il n'y a qu'à l'écouter, la respecter et l'accompagner, comme disait Ramata. C'est pas en bloquant tout de suite qu'on va politiser ces gens-là, c'est petit à petit qu'on peut les amener à prendre conscience, et de toute façon ils prennent conscience très vite eux-mêmes que le système est biaisé. Donc si à ce moment-là on n'est pas là nous pour apporter des solutions politiques ou en tout cas des idées politiques, elles resteront avec leurs angoisses, avec leur injustice et rien de plus. Donc moi ce que j'aimerais faire c'est effectivement ce pont entre des milieux militants qui sont parfois un petit peu fermés, voire souvent fermés, et des familles qui ont besoin d'un soutien aussi politique malgré tout pour qu'on puisse dénoncer cette justice. Elle ne fonctionne pas, elle n'a jamais fonctionné, on s'en rend compte qu'au moment où on s'en sert, on peut expliquer aux familles qu'il faut quand même porter plainte. Moi personnellement quand je me suis fait taper par les flics, j'ai porté plainte et pourtant je savais déjà qu'effectivement ça ne servait à rien. Mais ma famille n'aurait pas compris que je ne porte pas plainte. Et finalement, au bout de 4 ans, où moi aussi je n'ai rien eu à part des non-lieux, j'ai même pas eu la possibilité d'aller jusqu'au tribunal, la plainte, elle m'a permis au moins de pouvoir dénoncer une injustice supplémentaire. C'est-à-dire que non seulement il n'y a pas de justice parce qu'on n'a pas d'indemnisation, il n'y a pas de reconnaissance, et effectivement ces policiers sont toujours en activité. Donc si je ne dépose pas plainte, qui le sait ? Qu'est-ce qui reste de ça ?
rien. On laisse une trace et ça permet de pouvoir faire, c'est con, des statistiques, de dire il y a tant de personnes qui se font taper, tant de personnes qui sont mortes et tant de personnes qui n'ont pas de justice. C'est tout con, mais c'est une arme de dénonciation comme une autre, je dirais. Ça n'empêche pas de faire des marches, ça n'empêche pas de répondre à des camarades qui nous tendent un micro pour essayer de sensibiliser les gens à tout ça. Mais la plainte n'est pas forcément inutile, elle peut être politique. Mais pour la famille, au départ, elle est simplement une demande de justice et qu'on ne peut pas la refuser. D'autant plus que nous, militants, pour l'instant, à part éventuellement une vengeance d'aller cramer un commissariat, on n'a rien à leur proposer. Est-ce que finalement, ce dont vous parlez, ce n'est pas juste la face visible de quelque chose de beaucoup plus gros, quoi, et qu'on veut absolument nous cacher à nous, qui sommes, disons, voilà, tranquillement chez nous, qu'on n'est pas militant ni concerné directement, c'est un peu, bon, ben, ça arrive, mais ça arrive à certaines personnes un petit peu, et c'est pas l'eau de tout le monde, en fait. Et ça, parce que finalement, en face de nous, on a des gens très forts pour enrober ça sous les idées de sécurité, qu'on est là pour vous protéger, quoi. Donc est-ce que des fois, c'est pas un peu dur quand même de se retrouver, de pas vraiment avoir d'écho au niveau de la majorité, quoi? Par rapport à cette question, moi je vois trois choses. C'est-à-dire que les crimes dont sont victimes Lamine, Mamadou Rega, etc., c'est pas nouveau, hein. Excusez-moi, dans les années 60, on a balancé 400 Arabes à la mer. Moi, qui ai une quarantaine d'années maintenant, mon premier mort, c'est Malik Oussekine. Hein, il s'appelait pas Jean-Paul, encore une fois. Donc les crimes dont sont victimes ces gens-là existent depuis que l'État français est raciste, c'est-à-dire depuis 400 ans. Donc ça, c'est pas du tout nouveau. Ce qui commence à être un peu plus nouveau, c'est justement cette répression de l'ensemble de la population, qui passe d'abord par des lois répressives toutes bêtes, qui vous obligent à marcher là, à faire ça, et qui vous oppressent en permanence. Ça, il y en a de plus en plus. L'exemple de la LOPSI est une loi qui est très intéressante à fouiller, puisqu'elle régit tout, de vos allocations familiales à votre permis de conduire, à comment vous allez acheter vos cigarettes quasiment. Donc cette loi, j'encourage les citoyens à se pencher dessus et ils verront à quel point, en fait, ils n'ont plus le droit de faire grand-chose. C'est quand les gens commenceront à vouloir être libres qu'ils se rendront compte qu'ils n'ont plus leur liberté. Pour l'instant, ils l'exercent peu, malheureusement. Donc il y a cette chose, cette oppression permanente qui finalement... Effectivement, on habitue les gens, on met des caméras, on appelait ça de la vidéosurveillance, on appelle ça maintenant la vidéoprotection. On commence à s'habituer à avoir des militaires dans les rues avec des FAMAS, parce que, soi-disant, Ben Laden est mort, mais il y en a sans doute un autre qui est arrivé derrière, etc. Et il y a une troisième phase, là, du côté des militants. On voit bien que depuis une dizaine d'années maintenant, la répression envers les militants est de plus en plus forte. Elle passe par des répressions passives qui sont le fichage ADN, etc. Puis les peines de prison complètement hallucinantes. Je me souviens de ce collègue à Toulouse qui avait pris donc 4 mois pour un jet de canette, par exemple. Et puis ça s'accentue avec des peines de prison très lourdes pour des soupçons jusqu'au tabassage où il nous blesse. Joachim à Montreuil qui a perdu son œil, ce syndicaliste à Strasbourg qui a perdu son œil, ce lycéen à Nantes qui avait perdu son œil. Au Chefren, au mois de juin cette année, on se souvient qu'ils ont utilisé des bombes de désencerclement, ce qu'ils appellent des bombes de désencerclement, c'est-à-dire des bombes à fragmentation. Ça explose et ça envoie des métaux dans les jambes, des jeunes femmes s'en sont pris dans le vagin, les jambes, etc. Ça, c'est des armes qu'on utilise normalement en temps de guerre, vous voyez ce que je veux dire? Et quand on voit la technologie qui est développée par la police... Et pour la police, quand on sait que depuis maintenant un an et demi, la gendarmerie, qui était un corps de l'armée, est passée sous la tutelle du ministre de l'Intérieur, quand on prend conscience qu'ils sont en train de développer des armes soi-disant non létales, type taser, flashball, les armes sonores, j'ai vu sur Internet comment ils étaient en train de fabriquer un rayon qui est capable de cramer les gens à distance, ce ne sont pas des armements pour partir en Afghanistan ou pour aller faire la guerre au Mali, vous comprenez? Ce sont des armes qui vont se retourner vers des populations, vers des militants qui sont désarmés. Je ne connais personne en France qui peut lutter contre la police. On n'est pas assez, et je n'encourage pas à prendre les armes, mais je veux dire concrètement, si on décidait de prendre les armes, qu'est-ce qu'il faudrait avoir, quoi? Des bazookas, des tanks, parce que entre les drones, vous comprenez, c'est là où cette société policière, elle a un objectif pour moi, c'est construire des prisons à ciel ouvert, des villes qui sont extrêmement quadrillées, avec des caméras qui permettent de surveiller tout le monde, hein, avec ces séries télévisées qui nous habituent à être filmées en permanence, etc. etc. Donc, effectivement, ça va toucher tout le monde et ça touche déjà tout le monde. Moi, ce qui me fait peur, enfin, j'ai pas peur, mais ce qui m'angoisse quelque part, c'est de me dire, mais dans 10 ans, les gamins trouveront tout à fait normal d'avoir une caméra dans leur WC, de passer, comme on les habitue, avec la cantine, avec leur empreinte, etc. Et qu'on sera dans Gattaca. Voilà. Donc Gattaca, c'est après-demain.
Et on n'a pas beaucoup de temps pour nous, des générations qui avons connu un espace de liberté, même si c'était déjà réduit, etc. etc. Mais on voit bien quand, sur 20 ans, depuis 20 ans que je milite, que ça se ferme, quoi, et que notre liberté d'expression se réduit, et que finalement, ils vont peut-être nous pousser à de la violence qu'on n'avait pas forcément envie d'utiliser au départ. Chenille qui la serpente, Bordeaux, on la cure, on la nettoie, on la fait propre, on l'embellit, mais l'embellit de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellit, j'attends, mais l'embellit de la belle endormie, j'attends encore, mais l'embellit, j'attends. À quelques pas de là, me fait cligner les yeux à Saint-Michel. Je suis déjà nostalgique de ce qui ne sera plus, de ce qui ne sera plus. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur, alors j'évite. Rue Sainte-Catherine, je suis consommateur. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, l'émission c'est toujours Cosmos et on continue notre entretien avec Myriam et Ramata. Justement, la soirée du CICP, moi j'ai entendu quelqu'un qui disait que pour bien comprendre ce dont on parle, ce sujet-là en fait, il fallait marcher sur deux jambes. Donc on vient d'en évoquer une avec le racisme, mais il y avait aussi une histoire de classe en fait. Et finalement, ce racisme, ça se doublait aussi d'une chasse aux pauvres. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'ai entendu parler d'une petite fille qu'on a embarquée à la cantine, qui était à la cantine, parce que ses parents avaient, alors, je l'ai souligné quelque part, ouais, 170 euros. Moi, j'ai l'impression quand même que c'est... Alors, il y a des ponts, hein, mais que c'est quand même deux combats. Actuellement, je trouve que c'est deux combats quand même qui sont assez séparés. Par exemple, alors, certains amis militants qui parlent de lutte des classes, en fait, se concentrent sur la lutte des classes, en fait. Et inversement, d'autres parlent de racisme sans voilà, intégrer ça, quoi. Donc, est-ce que vous voyez comment faire le lien? Est-ce que vous essayez de faire le lien de votre côté ou... En tant que personne métisse, dans les endroits où j'ai l'occasion de militer, je suis souvent la seule personne de couleur.
Donc déjà, effectivement, quand on parle de racisme et qu'on le subit jamais, c'est comme les gens qui luttent pour les sans-papiers, sans connaître de sans-papiers. Au bout d'un moment, il y a une déconnexion qui se fait entre la théorie et la pratique. Donc pourquoi la jonction se fait pas? S'il y avait plus de gens de couleur dans les milieux militants, peut-être qu'on parlerait vraiment du racisme et on prendrait conscience que ce racisme existe. Déjà, là, il faut pas se leurrer, la plupart des militants, c'est des gens qui viennent quand même de certains milieux, au moins la classe moyenne, hein, si c'est pas la classe parfois supérieure en rébellion contre son père ou sa mère, même si c'est noble, on est tous en rébellion quelque part, mais la plupart des militants sont pas forcément des enfants de paysans ou même des enfants d'ouvriers, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même un certain niveau d'études, etc. Donc on sait que par exemple, quand on arrive à la faculté, bon, mais des enfants d'ouvriers, il y en a quasiment plus, des enfants d'immigrés, il y en a encore moins, etc., etc. Donc il y a ce phénomène de classe qu'on retrouve dès le départ dans le milieu militant. Et ensuite, il y a le fait que ce milieu militant est souvent, encore une fois, un milieu qui est fermé, qui milite dans le milieu anarchiste et qui se déplace concrètement dans les banlieues pour aller discuter avec les gens. Oui, les imams y vont, voilà. Le Front National y va, voilà. Et conclusion, nous, on n'y est pas sur ce terrain-là. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse des efforts, nous, en tant que militants, pour aller vers des populations qui ne sont mobilisées politiquement que tous les 5 ans par des partis politiques qui veulent finalement... les enfler, quoi, concrètement. Donc si nous, on ne fait pas cet effort d'aller vers les gens, ils ne vont pas vers nous, c'est normal. Et en plus, quand on arrive dans des milieux militants qui sont parfois divisés, avec des concepts compliqués, des réunions qui durent 3 plombes, vous voyez, les gens, ça ne leur donne pas envie de militer non plus. Ils ont besoin d'actions concrètes, de choses de terrain, parce que le blabla, ils ouvrent la télé, ils en ont tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. Même si le discours change, pour eux, au final, on reste des blablateurs, quoi. Même nous, militants, quoi. On blablate beaucoup, et c'est bien, mais sur certains terrains, on n'est pas là. Et notamment, on n'est pas dans les cités, ou très peu, on n'est pas dans les banlieues, ou très peu, on n'est pas au cœur des choses qui sont pourtant au cœur de nos discours. Donc il faut qu'on aille faire cet effort d'aller vers les gens. Et pour les violences policières, c'est exactement pareil. On ne peut pas dire, ben nous, les militants, comme j'ai entendu au forum de Poitiers, nous, les militants, de toute façon, si je me fais arrêter, je m'en fous, parce que moi, je suis bien au courant de mes droits et tout. Ouais, toi ? Mais le mec à côté, là, lui, il s'appelle Mamadou, là, personne ne le connaît, là, il n'y a pas ses copains qui sont en train de faire libérer notre camarade, vous voyez. Donc lui, c'est à lui qu'on s'adresse avant tout, puisque toi, tu es censé savoir ce qu'il faut. Parce qu'en fait, la plupart des militants, malgré tout, au-delà du fait qu'ils connaissent un peu la loi, mais personne n'est jamais préparé à se prendre un coup de flashball dans l'œil. Personne n'est jamais préparé à passer, malgré tout, 24 heures en garde à vue, sous pression. Personne n'est préparé à pisser dans des chiottes qui puent, vous comprenez ce que je veux dire. Ou d'être humilié. On a beau être le plus aguerri possible, face à certaines réalités, on redevient des enfants. Quand on passe devant le juge, on est un enfant. On a beau vouloir combattre l'autorité, il y a toujours quelque chose en nous qui nous contraint. Malgré tout, le plus fort militant que j'ai vu, il y en a qui roule des mécaniques et tout. On les met devant le tribunal, déjà, ils disparaissent. Et c'est normal, parce qu'on est avant tout des êtres humains et on n'est jamais aguerri politiquement à être confronté à des violences auxquelles on ne s'attend pas. Donc je pense que dans tous les cas, c'est à nous militants d'être plus présents dans la rue, dans les rues, dans les quartiers, de reprendre ces espaces-là, même s'il faut conserver nos espaces où on discute, où on échange, avec le plus d'amour possible, ce qui n'est pas toujours facile chez les militants non plus. Mais une fois qu'on a bien discuté, il faut faire des cantines populaires, des journées de tractage, quel que soit le prétexte d'aller vers l'autre, il sera bon. Voilà. Parce que les gens, ils attendent ça finalement, qu'on aille vers eux. Et moi, je me souviens d'avoir été en Grèce. C'est les Grecs qui m'ont réconcilié avec les anarchistes. J'étais un peu fâchée avec les milieux anarchistes en France, enfin surtout à Bordeaux. Voilà, moi, ce qu'ils me disaient, c'est que concrètement, ils étaient dans la rue tout le temps. Tout le temps. Ils connaissaient leurs voisins. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils connaissaient leurs voisins. Voilà, c'est tout bête, mais peut-être que ça parle à certaines personnes. Le fait de connaître son voisin fait qu'on n'en a plus peur. Voilà, je crois que c'est ça. Et sincèrement, pour remonter à 2005, où il y a eu les révoltes dans les banlieues, c'était le meilleur moment, je pense, pour que la jonction ait lieu entre les militants et ce milieu et cette population-là, quoi. Mais malheureusement, voilà, là aussi, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'ai l'impression que les militants ont peur de cette population parce qu'ils ne la connaissent pas, finalement. Et que la propagande qu'on voit sur TF1, etc., qui décrit ces populations-là comme des sauvages, c'est la jungle, voilà, ils sont incontrôlables. D'ailleurs, c'est le discours aussi qu'on tient aux policiers. C'est pour ça que quand ils arrivent dans ces quartiers-là, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir commis un délit ou quoi que ce soit pour être leur cible. Voilà. Le simple fait d'être dans la zone géographique fait que voilà, on est suspect, on est limite même coupable direct. Et voilà, le fait de ne pas avoir la bonne couleur de peau non plus fait que voilà, on est coupable automatiquement pour ces policiers-là. Donc moi, je pense que évidemment, les familles aujourd'hui victimes de ces crimes policiers ont le soutien d'un certain nombre de militants, mais je pense que
nos voix se feraient mieux entendre si effectivement le monde militant se rapprochait de ces familles-là, quoi. Voilà, parce que nous, évidemment, on appelle tout le monde comme on l'a toujours fait. Je veux dire, il n'y a pas de discrimination, quoi. Voilà, c'est comme je le disais au départ, c'est un problème qui concerne la population dans sa globalité. Donc, il faut qu'on s'unisse. Voilà. Si on n'est pas 10 000 dans la rue, ou même, je dirais, 65 millions dans la rue, le gouvernement ne risque pas de nous entendre. Et c'est pour ça que ça fait des années que ça dure. Ça fait 40 ans, quand même. Donc, je ne sais pas, il faut arriver à combien d'années, un siècle peut-être, avant que les uns et les autres aient peur, enfin, se réconcilient finalement, et communiquent, et n'aient pas peur les uns des autres. Je veux dire, je ne sais pas, voilà, pardon, je ne peux pas ajouter plus que ça, quoi. Vraiment, je pense que le meilleur moment, c'était en 2005. C'est dommage que l'occasion ait été ratée, mais il n'est pas trop tard. Voilà, on peut encore aujourd'hui faire en sorte que ces deux mondes-là communiquent et que ces deux mondes-là se connaissent et se soutiennent comme un seul et même peuple, quoi, peuple français. Parce que nous sommes tous français, finalement, on évolue sur ce territoire, on vit ensemble. Donc le vivre ensemble, ça se construit, c'est pas... Ok, donc la manifestation sur Paris, c'est le 23 mars, et il se passe des choses en fait entre le 15 et le 23, c'est ça? Alors sur Paris, je ne sais pas, Ramata va répondre à ça, si je peux me permettre de faire le petit agenda bordelais. Pour l'instant, nous on va organiser un concert le 23 mars, en soutien à Vivolé, clairement. Parce qu'on a aussi toujours besoin d'un petit peu de sous, des photocopies, des trucs comme ça, voilà, puis peut-être même des avocats quand il y a besoin pour les familles. Hein. Donc concrètement, à Bordeaux, le 23 mars, on fera un concert de soutien. On a prévu de faire le vendredi 22 mars une formation sur tout ce qui est garde à vue et contrôle d'identité. J'essaye aussi de mettre en place une conférence de presse pour faire un petit peu le point sur mon cas, puisque au bout de 4 ans maintenant, voilà, tout est terminé ou presque pour moi, et il est temps de faire un petit peu le bilan de ce combat perdu d'avance. Voilà pour Bordeaux. J'en profite, puisque j'ai encore le micro, pour dire aux auditeurs qui nous écoutent qu'ils peuvent retrouver le CLAP sur internet. On a un site donc très actif. Il est mis à jour quotidiennement. On récolte donc toutes les informations, qu'elles viennent du monde, du Jura libertaire, peu importe. Pour nous, à partir du moment où ça parle de sujets qui nous intéressent, il n'y a malheureusement pas toujours des articles. Justement, quand il y a des personnes qui décèdent, par exemple, ben, on n'a souvent que le Figaro ou le Parisien qui relatent ces événements. Donc, on prend l'information où elle est. Mais il y a aussi tout un tas de guides juridiques, des procédures pour comment porter plainte, que faire en cas de garde à vue, fichage ADN, etc., etc. Sur Bordeaux, nous avons photographié toutes les caméras de vidéosurveillance, elles sont répertoriées, les rues, donc, etc., etc. CLAP 33 dans Google, hein, vous allez nous trouver tout de suite. Voilà, contactez-nous. Si vous avez des témoignages, si vous avez envie de faire des articles aussi, on est très preneurs de tout ça. Donc rejoignez-nous, et si vous êtes à Paris, ben voilà, renseignez-vous, Vivolé, ils ont un site internet, elle va vous en parler, Ramata, qui vient d'éclore, qui est tout neuf, qui est tout beau. Alors sur Paris, je sais qu'il y a quelques, notamment, enfin, je ne sais pas vraiment s'il y a une... Je sais que la semaine de lutte contre les violences policières et contre la discrimination raciale et la xénophobie, donc, etc., c'est du 15 au 23. Et effectivement, il y a des actions qui ont été... Disons qu'il y a des familles qui ont appelé à ce qu'il y ait au niveau local quelques actions pour dénoncer, etc., ces crimes et ces violences. Mais concrètement, Vivolé n'est pas sur la semaine, en fait. Vivolé est concentré uniquement sur la journée du 23. Voilà pourquoi on est concentré uniquement sur la journée du 23, parce que c'est du travail et qu'on manque de bras et que on n'a pas les moyens humains de couvrir toute une semaine, tout simplement. Donc, apparemment, vous avez un site ou quelque chose de nouveau. Tu peux donner l'adresse ? Oui, exact. Alors, le site Vivolé a ouvert il y a de ça une semaine à peine. Il est encore en construction, il n'est pas tout à fait abouti, mais voilà, c'est donc Vivolé au pluriel tout attaché .fr. Autrement, pour le recensement des victimes, la liste se trouve également sur À toutes les victimes. Donc là, tout attaché également à toutes les victimes. Vous tapez ça sur Google et vous arrivez sur le site. Autrement, il y a un autre site qui est très complet. C'est le site de Maurice Rachfus, et qui s'appelle donc l'Observatoire des libertés publiques. Et la question, c'est que fait la police ? Et donc, sur ce site également que depuis 40 ans, il recense les violences policières, notamment les morts. Et essentiellement les morts même.
Et c'est grâce à lui également qu'on a pu arriver aujourd'hui à dire que, à établir voilà, des chiffres quoi. Et une moyenne qui indique clairement que chaque année depuis donc 1968, c'est en moyenne 15 personnes qui sont tuées par la police, soit directement, soit indirectement. Et donc, ça veut dire quoi, 15 personnes chaque année? Ça veut dire une personne par mois. Vivoler a recensé en 2012 plus de 20 personnes tuées. Donc, ça veut dire que là, ça a pris un coup d'accélérateur. Certaines années, ça prend un coup d'accélérateur. Donc, cette année en fait partie. Et ça, c'était en moyenne un tué tous les 15 jours, quoi. Si c'est pas noyé, c'est mis en danger dans la circulation routière, c'est étouffé, c'est noyé, beaucoup de noyés également. Voilà, ils pourchassent les jeunes pour rien, et ces jeunes-là se jettent à l'eau pour sauver leur vie, et finalement ils coulent, et les policiers les regardent se noyer. Voilà, et c'est ça la police républicaine dont on nous parle, celle qui regarde les gens se noyer sans tenter quoi que ce soit pour leur sauver la vie. Il n'y a pas des policiers qui vous ont dit, alors, même en off, hein, oui, moi je suis d'accord avec vous, finalement, ou vraiment, parce que moi j'ai l'impression que de l'extérieur, c'est un esprit de corps. J'ai vu le ministère de l'Intérieur qui portait plainte, je ne sais plus contre quelle association. Voilà, est-ce quand même, vous sentez qu'il y en a qui sont, qui vous disent pas d'accord, mais qui sont peut-être ouais, un peu de votre côté? Ma petite sœur a une phrase qui peut-être c'est juste de dire ils sont peut-être pas tous cons mais tous les cons ils sont. En parlant de mon cas concret, pour faire vite, comment je me suis retrouvée à l'hôpital pour me faire recoudre la bouche après être passée à tabac par la police, rassemblement de soutien à un squat qui va être évacué, les CRS qui chargent, je me prends un premier coup de matraque sur la tête, je tombe évanouie, et pendant que je suis évanouie, 4 policiers de Bordeaux en profitent non pas pour me relever mais pour me tabasser, coup de poing, coup de pied. Une fois que je suis donc par terre évanouie, je suis blessée, menottée, amenée au commissariat. 1h30 se passe avant que, vacillante, je finis par obtenir que les pompiers viennent me chercher. Je suis en garde à vue à ce moment-là. Je pars à l'hôpital, je suis toujours en garde à vue. Je passe ma nuit à l'hôpital, on me recoue la bouche. On essaye de faire ce qu'on peut pour que je retrouve un visage que je ne retrouverai que quelques mois plus tard. Je suis toujours en garde à vue. Le lendemain, je sors de ma garde à vue. Je suis donc de nouveau menottée, amenée au commissariat pour interrogatoire. Et là, le flic qui m'interroge à ce moment-là, je ne sais pas quel était son grade, toujours est-il qu'il était en civil, la première chose qu'il m'a dit c'est « Vous allez porter plainte pour ce qui vous est arrivé ». À ce moment-là, moi je suis très choquée et je suis surtout entourée de policiers dans un commissariat, vous voyez, je ne me sens pas trop sécure, donc ma réponse est « Non monsieur, merci, je vais rentrer chez moi ». Il a insisté en me disant « Si, si ». Vous allez porter plainte, il faut porter plainte. J'ai pris rendez-vous pour vous au COVA. Le COVA, c'est donc le médecin légiste. C'est celui qui permet d'établir le certificat médical qui prévaut en cas de procès. J'ai pris rendez-vous pour vous au COVA. Vous sortez du commissariat. Dans une demi-heure, vous êtes devant ce médecin légiste. Moi, à cette époque-là, je n'étais pas du tout au fait des démarches en cas de violence, etc. Donc, c'est un policier qui m'a indiqué la première démarche à suivre pour porter plainte contre la police. Donc, effectivement, le ACAB... Qu'est-ce que ça veut dire à ce moment-là? Surtout que dans mon cas particulier, les militants qui étaient avec moi ce jour-là m'ont complètement laissé tomber. Alors qu'est-ce que je devrais en conclure? Qu'il y a des flics sympas et que tous les militants sont cons? Que, vous voyez ce que je veux dire? J'ai du mal avec des discours où ils sont tous comme ça ou pas tous comme ça. Il y a forcément un être humain derrière quelque part. Maintenant, la complicité, le silence tacite, le laisser faire, parce que malgré tout, même si ce policier me donne cette petite première impulsion, je pense que s'il avait été à côté de moi ce jour-là, est-ce qu'il aurait empêché ses collègues de le faire? Est-ce qu'il aurait dénoncé ses collègues? Pas sûr pour autant. Donc je pense que effectivement, comme disait Ramata, les policiers ont peur d'une certaine population, y compris des militants, parce que il y a les méchants des quartiers qui vendent de la drogue, qui sont des dealers, qui sont noirs, et puis en plus ils croient que musulmans et compagnie. Mais de l'autre côté, ils ont créé quand même ce mythe de l'anarcho-autonome qui font aussi que les policiers, quand ils arrivent sur des manifestations, sont persuadés qu'on a des grenades dans nos sacs et qu'on est là pour se maraver, quoi. Donc quand ils viennent face à nous, ils ont peur aussi. Donc ces policiers qui ont peur, peut-être il faudrait effectivement leur dire qu'il n'y a aucune raison qu'ils aient peur, puisque d'abord on n'est pas armé, hein, c'est concrètement on n'est pas armé. Même des cocktails Molotov en France, c'est quand même très très rare quand ça part. Hein. Franchement, on n'est pas des Grecs, hein, pas pour l'instant. Donc on en est loin. S'il y a des policiers qui sont gentils, on voit qu'ils témoignent toujours une fois qu'ils sont plus policiers, comme le monsieur qui a témoigné dans ce sans casque ni bouclier, qui fait un très bon témoignage sur la politique du chiffre, etc. Mais il n'est plus policier au moment où il témoigne. Donc s'ils sont gentils,
Il faut qu'ils témoignent tant qu'ils sont en activité, il faut qu'ils dénoncent leurs collègues. À un moment donné, il était question de mettre matricule sur les vestons des policiers. Moi, je suis pour. Il n'y a pas de raison qu'on ne sache pas qui nous agresse. Ça faciliterait beaucoup de choses au moment des enquêtes, etc. Donc, s'il y a des policiers qui ne sont pas cons, qu'ils le disent. Hein. Franchement, on les accueillera avec plaisir. S'ils veulent témoigner, qu'ils le disent, mais qu'ils témoignent surtout au moment où les affaires se passent. Parce que quand le frère de la mine se fait assassiner par la police avec 8 policiers qui sont dessus, il y en a forcément un ou deux à côté qui auraient pu arrêter ça. Et s'il n'a pas pu l'arrêter, au moment où la famille porte plainte, il pourrait dire « Oui, j'y étais. Oui, j'ai assisté à ça. Je ne veux pas de cette police. » Le ministère de l'Intérieur, quel qu'il soit, Valls, tout ce qu'il y a eu avant, sont toujours en train de nous rabattre les oreilles avec la police impeccable, l'honneur de la police. Il y a un code de la déontologie, vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, voilà, les mecs, ils sont censés représenter l'ordre et la justice et tout ça, et que surtout, on ne peut les attaquer nulle part parce qu'ils sont intègres. Bon, mais s'ils sont intègres, l'intégrité, c'est de, soi-disant, chasser les brebis galeuses. Donc, après, c'est compliqué parce que qui donne les ordres de faire quoi? Au niveau des militants, qui donne l'ordre de taper un militant et pas un autre? Et qui se tait quand la mine se fait assassiné par la police. Voilà, donc s'ils sont gentils, il faut qu'ils parlent, il ne faut pas qu'ils se taisent. Et s'ils s'y parlent, ils auront du soutien de la population. Oui, juste une dernière chose, on voudrait remercier Radio Libertaire de nous avoir offert un espace de parole, parce que c'est effectivement, comme disait tout à l'heure, pas évident pour nous de nous faire entendre, que ce soit les familles ou le CLAP, donc qui se situe toujours à la marge de ce monde famille et militant, toujours dans l'envie de faire ce lien. Donc merci à Radio Libertaire de nous avoir donné cette parole, merci à Pierre, merci à Camille qui faisait le son, big up, je fais le big up au passage, et voilà, restez solidaires, restez, ayez confiance en vous, la famille, ça va être long, c'est pas fini. Mais surtout, prenez la patate, gardez confiance en vous et n'ayons pas peur d'aller les uns vers les autres. Merci Radio Libertaire. Et ben voilà, Cosmos, c'est fini pour ce mois-ci. Donc on espère vous retrouver le mois prochain et surtout on espère vous retrouver dans la rue le 23 mars. Quitter ta terre natale, ton foyer tout lâcher, un jour te réfugier, aller te mettre les chances de ton côté, les frontières verrouillées, risquer ta vie pour y arriver, prier pour t'en tirer, n'avoir personne chez qui aller galérer dans les rues, raser les murs, ne rien manger, dormir dehors, ne pas parler un mot français, chercher quoi travailler, redouter d'être dénoncé, bosser, se faire exploiter, ne plus compter les heures crevées. Oh mon pays, c'est pas la joie en bandoulière que j'ai passé tes frontières, que j'ai pris ce bateau qui tangue pour parler de toi dans une autre langue. C'est pas que je ne t'aimais plus, mais survivant d'un monde vaincu, je voulais voir au bout du monde ces pays où les richesses abondent. Jour sans papier, ailleurs tout seul, seul un jour vais chercher. Mais qui choisit l'endroit? Choisit l'endroit où il naît. Qui choisit l'endroit où il naît? Un jour sans papier, ailleurs tout seul, seul un jour en danger. Mais qui profite des rêves échoués, des rêves échoués. Penser à ta famille, pour tenir le coup, les appeler chaque fois, les rassurer. Mentir, ne plus les inquiéter, moins de perdre un peu pied. S'interdire fort de renoncer, fuir les contrôles musclés. Et voir quelques années passer, un jour te faire lever. Piégé sur un rôle d'échiquier, l'avenir assassiné. N'avoir que tes yeux pour pleurer, avoir envie de crier. Au monde entier qui tu étais, criblé des préjugés. Qu'ils t'ont collé pour t'expulser. Oh mon pays, je t'ai aimé, chéri bien au-delà des mots, au-delà du noir de ma peau, ce noir que l'on regarde ici comme une marque d'infamie. Moi qui pensais qu'on était égaux dans ces pays où tout semblait beau, ces pays du bout du monde. Jour sans papier, ailleurs tout seul, seul, un
je vais chercher. Mais qui choisit l'endroit? Choisit l'endroit où il naît. Qui choisit l'endroit où il naît? Un jour sans papier. Ailleurs tout seul un jour en danger. Mais qui profite des rêves échoués. Je viens du soleil et je vole comme un oiseau migrateur. Et je vole bien que l'hiver ne réchauffe pas les cœurs. Ce matin, comme hier de bonne heure, j'attendais le patron. Et je parle et je sais dire merci et même pardon. On est 10 à bosser tous dénudés de titres. Si être est un périple, on devient vite frère d'outils. On devient vite frère. Anonyme soldat, seul le silence comprend la misère. La pioche qui sur le sol tape me rappelle mon enfance. Et j'étais quelques instants à peine, avant que la lune ne règne, avant que les chats ne grisent. On attend la paye de la peine. Et là des lumières vives, 3 camions de flics. Maman j'échoue. D'un sourire je pleure, et je rêve en bleu, et je rêve en blanc, et je rêve en rouge. Dédicace à Salim, à tous les sans-papiers, à tous les oiseaux migrateurs. Je viens du soleil,